c'est le barbero ou Thoris, le Maz, Maz dans Unslad, père et digne mari. Alors techniquement, bah, on se retrouve, ça fait un petit bout de temps que je me suis pas repenché sur le game, mais on était, on a raccompagné Liz à sa mère et nous sommes bien entendu le père de Liz et elle est contente. À moitié, parce que du coup, tirer un peu la tronche la dernière fois, ça a l'air d'aller mieux. Donc, en termes de quête, où est-ce qu'on en était? Il fallait examiner la fresque de Zuna, là. Et, retourner voir Jacobé. Donc, on va s'occuper de faire ça. Il y a également des petites quêtes secondaires que je suis allé récupérer à droite, à gauche, donc dans Skyrim. Et donc ça devrait le faire, on va pouvoir entre ces petites quêtes se faire de la thunasse et par la même occasion poursuivre l'histoire. Alors un petit instant. Voilà, tout le son est ok, le stream est ok, la VOD est là et on peut poursuivre un petit peu. Donc, on va commencer à parler à Tufu, alias Jacobé. Que puis-je pour vous, trouver une pièce rare. Il me file 600 balles, voilà. Parce que je lui ai donné donc une pièce collector. Cela dit, c'est juste une quête. Voilà, c'est une petite quête comme ça qu'on a validée, je pense. C'est pas Jacobi, lui, c'est Tufu. Jacobi, c'est le. C'était un petit peu le tuteur de Liz. Mais je crois que c'est plus ou moins la même personne dans des réalités alternatives. Ça c'est pourquoi la fresque de Junal. Ah, et Jacobi, il est là-dedans aussi. On avait déjà exploré tout ça, il me semble. Direction le Unslad perdu. Donc ça c'est la réalité donc, futuriste d'Unslad, il me semble. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Du coup il va falloir, oui parce que Tufu devient Jacobi, voilà c'est ça, ça me revient. Et on va retourner voir Jacobi et examiner la fresque de Junal pour poursuivre l'aventure. Mais avant ça j'ai l'impression que je vais un petit peu vite. On va retourner à Unslad, rendre les quêtes que l'on doit rendre. Parce que du coup j'ai du matos qui me sert strictement à rien, qui me pèse. Et alors, on va voir à qui est-ce qu'on doit s'adresser. Par là, logiquement. Un petit ascenseur qui est par ici. Hop. Ça, c'est le Unslad du présent. Oh là, Joke, le gardien des neiges. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis ma dernière visite? Liz est beaucoup trop surexcitée. J'aimerais la voir se calmer un peu. Un bazar, rien n'importe. Ok. Bon bah super. Tout est plus ou moins revenu dans l'ordre. On prend l'ascenseur et on se dirige vers les quêtes du coup répétables. Alors, c'est vrai qu'ici c'était très intéressant. On avait trouvé des PNJ très intéressants. On va donner l'eau de vie de Ronskeur à la team Vazar. C'est vrai qu'il y avait même une histoire avec un mec qui avait des bouquins très intéressants. Voilà, le king, le baron Vazar. On est tellement à l'aise dans les sources d'eau chaude, qu'en dites-vous? De vous apporter de l'eau de vie de Ronskeur. Bonne nuit. Oh, merci. Cette boisson réchauffe le cœur et l'âme. Super, super. Impeccable. Et il nous file 300 balles, une âme de dragon gelée, une eau thermale, en plus de ça. Alors l'eau thermale, elle sert à quoi? J'ai fait du ménage un petit peu dans l'inventaire. On va prendre des armes. Par ailleurs, notez que on était accompagné la dernière fois d'une certaine Adriane Avenici, si je dis pas de bêtises, qui
étiez morte, M-A-U-R-T-E, morte, dans une aventure avec des araignées, elle s'est fait piquer. Quête répétable, non merci, on va simplement se contenter de rendre les quêtes. En tout cas, c'est bon à savoir qu'on peut se faire 300 balles comme ça. Ce lundi, j'ai déjà investi dans l'immobilier, c'est amplement suffisant. Maintenant, la forge de Mifak Sanadu. On a Jacobi donc, qui sera là dans le Lunslat du futur. On va aller dans cette direction-là. Et il y avait aussi, ouais, je sais plus comment il s'appelle ce personnage qui m'avait marqué là, qui tenait une bibliothèque. J'aurais bien lui rendre une petite visite histoire de. Oh là là, il y a du style du Mifak Sanadu. Ce n'est pas un endroit pour les enfants rentrer chez vous. J'ai trouvé la brève. Tenez. Bien, merci mon enfant. Prenez ceci en récompense. Brève d'Atmora supprimée, élixir du forgeron. Élixir de forgeron, c'est cool ça. Élixir de forgeron. Amélioration d'armes et d'armure augmente 200. Pété, merci. Vous êtes toujours là. Portez son. T'as fabriqué ça. Non, mais en fait, sur mes ongles. Qui a pas fait comme un petit garçon. C'est héros qui nous suit avec le chien. Mof, il me semble. Ouais, c'est ça. Et la licorne, bien sûr. Alors, super. Maintenant, on peut poursuivre. Qu'est-ce qu'il nous reste à rendre ici? Somme toute, rien. J'aimerais juste retrouver notre cher ami. Je sais pas si vous vous rappelez de ce gars-là. L'hôtel de la transcendance. Je sais qu'il était dans un coin un petit peu... surélevé, on va voir l'hôtel de la transcendance si c'est ça. Un espèce de mec qui nous racontait des rêves là. Aïcha est censé, c'est le Aïcha du passé, du présent, je ne sais plus, il y a toujours le jus de Ulysse. Ah mais techniquement non, on est tous, si ils sont toujours là, on est toujours dans le présent, on voit bien. Je crois que c'était dans le Slat perdu qu'il y avait le mec des rêves. Voilà. Et là, on est dans le Slat du futur. Donc là, on a le château d'Unslad, le Slat perdu et le berceau du Dradra. Alors, attendez, parce que du coup, il y a le champ enneigé qui est là. Voyons voir au château. C'est le père de... Le père de Ulysse, je ne sais plus. C'est pas bien important dans la mesure où... Bon, après on se rendra au sanctuaire du Nord, dans la mesure où Ulysse est notre fille. Tout fut toujours.
c'est là que on a presque conçu Lise. Sanctuaire du lac. Je me remémore les lieux petit à petit. Hein. C'est stylax. Donc là, on est dans le futur du futur. Ah ouais, on avait exploré tout ça, c'est vrai. Vallée du froid intense. La fresque de Juna, elle est par là-bas, donc vers le Havre. Et on va retourner voir Jacobi au sommet. C'est bien. C'est vraiment bien. On dirait que vous allez partir. On peut pas avoir un scénario où on se voit correct comme il faut. Voilà, merci. On dirait que vous allez partir. Oui, il est temps. Ce n'est pas la fin que Jacobi aurait choisi, mais ce n'est pas un si mauvais adieu. Un chemin différent sera emprunté et Jacobi sera enfin pardonné. C'était bien de vous rencontrer à la fin. Oh. Aïcha attend celui-ci. Oh, la musique dramatique. Ah oui, il faut que je zappe... excusez-moi, je pète un petit peu l'immersion, mais il va falloir que je zappe un petit peu les cinématiques parce qu'elles bug. Passer une scène. Donc c'est, il me semble, ce bouton là. Charger la save. De temps en temps, ouais, ça bug un petit peu, ça. Notre aventure est plutôt lucrative. Vous êtes ici pour les offrir que vous Ah! Rêve de ta copie. Pièce porte-bonheur. Il a fini par mourir. Oh, les crédits! Bon, bah, bravo, les gars. Bravo, les gars. Juste, je regarde... Il m'a filé une pièce, non? Pas dramatique. Sauvegarder, faire une nouvelle sauvegarde et j'aimerais juste charger rapidement avant de vous laisser les crédits la save afin de bien voir un petit peu le stuff. Notre aventure est plutôt lucrative. Vous êtes ici pour les honneurs que vous n'aurez pas d'intérêt. Pièce porte-bonheur. Porte. Ah, ça doit être un sort en fait. Bah absolument rien de dans l'inventaire, hein, mais bravo les gars. Très bonne suite au niveau donc de ce mode. Pas mal. Bethesda et CD Projekt Red présente. Unslad vigilante. Très sympathique. C'est ça, hein, c'est clairement... espion des lames, mais je n'avais pas vu ça. On peut
crafter le masque de fer des lames. On peut crafter des choses spécifiques ici. Voilà. Crafter les différentes armures. Casque cloche. Et l'armure des lames du coup. De l'espion des lames, elle est bien stylax. On va crafter un masque de fer. On va ranger un petit peu dans notre havre sac le surplus, ce que l'on ne peut plus porter. Et après on ira du coup entre les dernières quêtes et ça sera tout bon pour Enslador, je pense. Il nous reste quand même à examiner la fresque, voir ce que ça donne. Alors, ouais, j'ai en effet récupéré l'armure hein, du coup de notre chère followers qui est tombée face aux araignées l'autre jour. Pardon, le fendoir, voilà. Le fendoir, c'était également son arme et je le filerai du coup à la prochaine followers que l'on va rencontrer. Donc je veux le garder sur moi histoire d'y penser. La pioche, pareil, je l'ai posée, mais. Qui va faire conserver ça. Ensuite, on doit avoir du matos à poser. Ouais, ça me plaise. Allez, on va poursuivre un petit peu et rendre du coup toutes les quêtes. Voir où va nous mener. C'est joli. Voir où va nous mener la fresque. Bon bah en tout cas bravo au modeur. Franchement, le GG est total. Allons vers le Havre. De mémoire, je sais plus si c'était là où on avait fumé la fouette. Esprit maléfique de Lunal. J'en ai assez de toi. Si seulement il y avait un marron fleurant. Fresque du Zunal. La clé du berceau du dragon. Ah ouais! Clé du berceau du dragon, on a ramassé. Salut la souhaite! Oh, bien joué. Il semble que... il ait enfin pu réaliser son souhait. Mais non, il n'a pas réussi à devenir un dragon. On va plutôt dire quelle est cette clé et où mène-t-elle? À la vérité. Alors vous rêverez avec eux. Une joie indicible vous emplira. Partez et ne revenez jamais. Nous nous reverrons ailleurs. Avec le temps, vous souhaiterez notre rencontre. Vous verrez. Saloperie. Nous allons enquêter au berceau du dragon, donc. Le berceau du dragon se trouve-t-il ? Je pense que c'est dans le présent. Berceau du dragon. Bah voilà, c'est là. C'est là qu'il faut enquêter. On a trouvé une clé. Il devrait nous ouvrir un accès spécifique. Bon, le jour, s'il vous plaît. Qui le tour ? Et un petit coup de ciel dégagé donc, maintenant que nous avons ramené. Look, Vakor! Voir si c'est possible. Ce lundi. Alors, nous devons enquêter, nous avons une clé. Hein. Trouver une clé. Dragon. Clé du berceau du
version dragon, on sait pas plus. Jeter un œil. Il nous propose d'acheter des choses. Peut-être que du stuff de l'âme. Fu, on peut pas lui vendre également des petits bijoux. Non, on n'en a pas. Par contre, Fu, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Je vais bien marcher sur du sable. Nous devons enquêter ici. La musique, le drama est beau, pardon. Le drama est bien présent. Je me souviens pas, hein, est-ce qu'il y avait quelque chose qui nous bloquait? Une porte qu'on va pouvoir ouvrir désormais. Bah, sûrement au château. Hein. Chambre d'amis, donc c'est là où normalement Jacobi était postiché. Mais c'est vrai qu'il y avait une porte verrouillée dans cette chambre, mais dans le présent. On nous demande de fouiller au berceau du dragon. Seulement, bah là, techniquement, on est au château, au berceau du dragon. Ça reste à voir, le champ enneigé, non. Enquêter au berceau du dragon, ouais, il va falloir retourner dans le. Dans une slade, dans le présent, et je pense que c'est la porte verrouillée qui est dans la chambre d'amis dans laquelle on se trouvait, mais pour être dans le futur, ça ne fonctionnait pas. C'est complexe! Voilà. C'est ici, exactement. Comment ça va, les filles? Salut! Alors, hop, chambre d'amis, et c'est la porte sur la gauche, je pense. Et je pense que c'est l'ultime porte à découvrir, déverrouiller. Déverrouiller porte. Clé déverrouillée avec clé du berceau du dragon. Nous ne savons pas sur quoi nous allons tomber. J'ai grandi dans la ville de Sombrelus, Morrowind. Si jamais vous avez la chance d'y aller, surtout, n'hésitez pas. C'est magnifique. Ce sont des ascenseurs, ça, il me semble. Âme de dragon. Injecter une âme de dragon dans des poupées de glace. Je pense que c'est ainsi qu'ils ont cherché à constituer les. Ma fille, Lise, par exemple. Je me suis introduit en apocryphe. Oh, le prix est élevé, mais j'ai découvert pourquoi la poupée fond. Donc, Hermaeus Mora est dans l'histoire. Par Ostella. Mener l'enquête en Soltam et récupérer les reliques, j'utiliserai l'affinité, l'âme de l'enfant de dragon avec le corps. Putain, qu'est-ce que c'est que cette immondice? Vous vous êtes loupé.
prendre Skorri du dévoreur de monde. Des âmes de dragon, hein. Vous en voulez encore? On en a eu assez des âmes de dragon ou pas? Allez, encore deux. Hop. Voilà. Et on recharge un petit peu la save histoire de... Ça nous fait combien d'âmes de dragon tout ça? 17 âmes de dragon, on est à l'aise. Et en plus, en ce moment, il y a Mirac hein, qui bouffe toutes les âmes de dragon que l'on prend. On a réussi à se faire 17 âmes de dragon. Ok, super. Bon, bah écoutez, tout semble être rentré dans l'ordre dans ce présent, dans cette réalité. Alors, nous devons encore enquêter au berceau du dragon. Qu'est-ce qu'il faut... Attendez, visiblement, je n'ai pas tout... pas tout saisi. L'enquête se poursuit, donc je pensais avoir terminé en récupérant les amis. Ce qui m'a appris d'aller chercher fortune à Solstheim. J'aurais dû rester chez moi. Nous devons envoyer la poupée de glace dans le futur, donc c'est le prototype, visiblement. Même dans des milliers d'années, cette poupée de glace ne fondra pas. Voulez-vous y imprégner une partie de votre âme et la confier à l'avenir ? Donc on va envoyer littéralement, bah, je pense, une espèce de héros dans le futur. Vas-y, sauve le futur. Ça n'a pas marché. Voulez-vous allumer le feu avec une grande âme de dragon et révéler ce qui est caché? Allumer un feu. Saloperie. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? La chouette grise. Encore cette saloperie. Purée. 999. Attendez. On a un problème. We got a problem. J'ai pas de niveau à passer, rien. J'ai quoi en termes de malus? Parce que là, je suis en train de claquer. Ah, rien. Ma magie est étonnamment vide. Il s'institue de renaître. Est-ce que vous n'avez pas cette magie? Mais attendez, est-ce qu'on peut seulement la vaincre? T'as pas trop? Je ne vois plus rien du tout. Chouette grise. Sans faire exprès. On va recharger la sauvegarde. Je pense qu'il va nous falloir mourir pour être téléporté dans une sorte de réalité encore. Allez, on va y retourner. Avec quelqu'un de compétent. Mon précédent employeur est mort en essayant de prendre d'assaut un... Oh,
corps entier de bandits. Voilà, la poupée de glace dans le futur, ça nous dit échec, on allume le feu. La boule de ma mana, ouais. Life. Puissance.